Hello, voici tous les manteaux que j'ai trouvés de seconde main. Donc le premier manteau est un style aviateur en semi-liqueur noir avec de la fausse fourrure noire. Je l'ai trouvé sur Vinted à 35€ il y a 2 ans et il vient de chez Jennifer, mais ça se trouve vraiment partout, enfin toutes les marques le font. Je vous ai fait 2 tenues différentes qui cassent le côté un peu rock, et pour tous les autres manteaux, vous allez voir, je vous ai fait plusieurs tenues à chaque fois. Take it to Mars, oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in, you are sweet. You're falling into me, touch me, I swear. You would do anything. Le deuxième manteau est un basique camel de chez Zara que j'ai aussi trouvé sur Vinted pour 40€ cette fois-ci. Ce modèle, il est vraiment partout sur Vinted. La coupe, elle est cintrée, bien structurée grâce aux épaulettes. J'adore le tombé qui fait vraiment très habillé. Par contre, le seul point négatif, c'est que ce sont des fausses poches et j'adore mettre mes mains dans mes poches vraiment tout le temps. Just watch me break. Le troisième manteau est un manteau en fausse fourrure que j'ai trouvé dans une friperie à Londres pour 15 livres seulement, donc à peu près 20€. Il est super chaud, je l'adore. Le système de fermeture est invisible et c'est vraiment une des pièces préférées de mon dressing. Les poils ne sont pas brillants comme certaines fausses fourrures, du coup ça fait pas du tout cheap. Le quatrième manteau est un Zara que j'ai trouvé sur Vinted après de longues recherches. Je voulais absolument un manteau blanc. Je l'ai payé 40€. C'est celui que je mets le plus cet hiver. Je trouve que le blanc apporte vraiment de la lumière en cette saison et la coupe est loose, oversized. Le cinquième manteau est également un Zara, ce n'est pas du tout fait exprès, en plus c'est vraiment les meilleurs en fast fashion, mais je cherchais des manteaux qui étaient blancs et marrons et c'est les modèles de Zara qui me plaisaient le plus. J'ai mis plus d'un an à le trouver car je voulais un vrai marron qui est pas trop orangé. Donc ici pour la couleur, fiez-vous vraiment à celle quand on me voit en entier et pas celle que quand je suis prêt. Et la coupe est oversized et je l'ai eu pour 50€.